Voilà. Pour l'histoire de Saint-Laurent-des-Arbres, de 1975 à 1977, il y a eu une opération de démolition de maisons insalubres, des maisons où on ne pouvait pas habiter dedans et qui risquaient de s'écrouler. Donc il y a eu 25 maisons, anciennes maisons, à l'intérieur de Saint-Laurent, ce qu'on appelle intramuros, qui ont été détruites et démolies. Je suis la petite main de l'ombre, celle qu'on ne voit pas au fond du comptoir. Crois que c'est fini, mais c'est pas fini. Près du canal, moi je vais me mettre de l'autre côté de l'eau et il va y avoir un long travelling. Les places qui ont été surtout réaménagées et qui méritent l'histoire, vous avez la place du four. La place du four est très importante parce que cet endroit-là, il y avait le four, ce qu'on appelle avant le four banal, c'est-à-dire que les gens du village venaient faire leur pain dans ce four qui était communal, si on peut dire.
Il s'allumait simplement une fois par mois. Donc, il y avait... Non, il n'y a pas de ma fête.